Contrairement à ce que je pensais en arrivant ici, la notion d'alternance est très ancrée dans les traditions africaines. Je suis surpris d'apprendre que les Mboum, ancêtres des Tikars, ont vécu pendant 1800 ans en pratiquant le septennat rituel. Mais à quand remontent donc les origines de ce système d'alternance à l'africaine? Chez les Tikars, l'alternance se faisait de frère en frère. Mais quand est-ce qu'ils ont commencé à exécuter, à faire disparaître leur roi tous les 7 ans, au moment où nous parlons maintenant de ce que j'appelle la démocratie rituelle? Je ne détiens pas encore, je cherche. Chez les Peuls, c'est pareil. C'est un frère qui hérite de l'autre. Et les Bamoum avaient une formule qui disait que je sois l'amido et que je meure. Et on décrit l'histoire d'un prince Peul. Un Yérima Peul ne rêve que d'être l'amido avant de mourir. On dit des cas de ceux qui étaient des Modibo qui ont fait une prière, Dieu a accepté leur prière. Et au moment de les introniser, le bonhomme était très vieux. Puisque eux, ils intronisent dans la mosquée, on lui met le turban sur la tête. Tout le monde était là assis, brusquement. Le roi s'est couché, mort. Mais il est roi quand même. Le Mboum arrive avec le premier souverain Chariyen qui est parti de Rifoum à travers ses conquêtes et s'est installé ici, dans le Foumban. Et lorsqu'il est venu s'installer, il a pensé qu'il était bon, qu'il prenne certaines des choses qui étaient déjà chez ses ancêtres à lui, qui servaient déjà de faire avancer la politique de Dieu. Pour amener parmi ces choses était donc l'ongwa. Les Bamoum disent oh yo Rifoum. Les historiens ne mentent pas. Oh, la chose venue de Rifoum. C'est le surnom du Ngwon quand on chante. Ce sont les immigrés Tikars qui ont apporté le Ngwon. Les Tikars viennent de Mboum. Et eux, ils avaient institué le fait que un roi qui est intronisé doit faire 7 ans et mourir. Et c'est le Mboum qui comptabilisait les règnes. Est-ce qu'ils se sont entendus pour modifier les règles successorales? Le Mboum est venu de loin, mais le peuple Bamoun, avec la personne qui l'a amené, en a fait un instrument politique, politico-socio-économique. Par le passé, le Mboum était l'instance redoutée des monarques et leurs proches, une sorte de grand congrès national au cours duquel le peuple prend la parole pour critiquer ou condamner le monarque sur sa gestion des affaires du royaume. Pour mieux m'expliquer, Omar Ounchari, le directeur de la culture du palais, m'amène au Ndankou, la case du pays, où sont gardés les emblèmes du pouvoir royal. Nous sommes là en face de ce que j'ai appelé Koumou Ngo, deux lanceurs de justice. Dans le cadre du Ngwandong, quand le roi s'installe, c'est ces deux objets qu'on vient déjà planter devant lui pour lever son immunité royale, pour le mettre debout et le juger. Il s'agit de deux lanceurs de justice et pour dire aussi que c'est vraiment la justice, il faut déjà dire que
Dieu avait déjà prévu un système avec des menottes. Ça veut dire que lorsqu'on vous jugeait, si vous étiez coupable, oui, on pouvait déjà immédiatement décrocher des menottes pour vous mettre les menottes. C'était donc vraiment la justice, quelque chose de ce genre. Aussi, le Kumungu ne se limite pas seulement au roi. Le Kumungu est là pour tout le peuple, que vous soyez homme ou femme. Vous pouvez même voir, quand on voit le Kumungu, on a ici le léopard, une bête, le léopard. On a ici une bête, le caméléon. Faut-il dire que dans la culture Bamoun, l'humanité est représentée par deux bêtes, le sexe masculin toujours par un léopard et le sexe féminin par un caméléon. Ça veut dire que et la femme et l'homme peuvent être jugés en pays Bamoun. Que risque le roi Ibrahim Bombonjoya au cours de cette 11e édition du Ngouane sous son règne? Ces deux lances de justice dont m'a parlé Oumarou Charé ont-elles encore leur pouvoir d'antan? C'est une image inédite, un moment fort, une image phare de la vie d'un royaume. Ces deux lances ont un pouvoir, même à nos jours, qui continue. Parce que il y a eu des cas. Ce n'est pas à l'occasion du Ngouane seulement. Le premier pouvoir veut dire que quand on les plante, ça veut dire que nul ne sera inquiété pour l'opinion qu'il va émettre. Mon vieux père, Sa Majesté le Sultan Seydou Djimodounjoya, c'est lui qui m'a décrit la scène. Ça ne se passait pas tout n'importe quand. C'est quand le pays allait mal, quand les femmes n'accouchaient pas, quand il y avait trop de méchanceté, trop de brigands, trop de misère, crise économique. Les gens venaient lui dire, ça va mal dans cet coin, ça va mal dans tel coin, ça va mal dans tel coin. Le roi vous posait une seule question. Dois-je édicter une nouvelle loi ou dois-je faire planter la canne de la justice? Si de quatre coins du pays, vous reconnaissez tous qu'il faut planter la canne de la justice, y compris les intronisateurs de Njimom, quand tout le monde était unanime, il envoyait quelqu'un au marché, annonçait que d'ici la quinzaine, après le prochain samedi, jour du grand marché, le suivant, je vais planter la canne de la justice ici. Ça veut dire, des quatre coins du pays, tout le monde va entrer dans Fumban. Voilà le premier service de cette canne. Ce n'est pas le Ngouane. Alors, ce jour-là, chacun qui a été victime d'une injustice, d'un petit chef, d'un voisin, vous venez dans la ville. Tout le monde devait parler. C'est non seulement... Nul n'est inquiété pour l'opinion qu'il va donner, n'est-ce pas, un élément de la démocratie, mais aussi justice immédiate et exécutoire.
Et on commençait par le roi. La parole est à qui veut la prendre. Chacun se levait. Moi, le représentant du roi dans mon quartier m'a pris deux chèvres au nom du roi et il s'est avéré que ce n'était pas vrai. Un prince a testé ses flèches sur mon fils et il l'a tué. Et le roi n'a rien fait. Voilà pourquoi le pays va mal. Enfin, chacun accusé, on ne demandait pas de juger tout ça. C'est le juge qui disait, bon, le roi, vous allez donner 10 bœufs à telle famille. 3 personnes pour remplacer le fils que ton fils mineur a tué par mégarde en testant sa flèche sur lui, etc. etc. Plusieurs chefs d'accusation, le roi payait tout. Séance tenante. Et mon père de conclure, dans les cas pendables, on pendait tout de suite. Dans le cas où il fallait payer une amende, on payait tout de suite. Dans la soirée, il y avait une mare de sang. Quand on pend, il y a une mare de sang. Mais il voulait dire, il y avait, à la fin de la soirée, il y avait des morts. Je lui ai demandé à peu près combien. Il m'a dit, est-ce que 70, 80, il me dit à peu près dans ces chiffres. Hein. Parfois, c'était que 15 morts, mais parfois une vingtaine, une trentaine. Et on se faisait des sacrifices. Après tout ça, tout le monde rentrait dans les villages, on calmait tout le monde et on calmait les esprits. Et le pays était en paix pour les 15 ou 20 prochaines années.